l'équipe. C'est bon. Ça marche. On est en ligne. Bonjour, bonjour. Oh, la petite voix ce soir. Ah. Et donc, ce soir, on entend un petit peu l'ambiance. Comme je l'ai indiqué, et comme je l'ai dit hier soir, du Hand of Fate. Et donc, le mode infini avec les différentes classes... Les différentes classes. Hello Wasbees, hello. Ça va? Donc les différentes classes qui viennent avec le DLC. Salut Jawad, ça va? Et donc, on va lancer tout de suite Hand of Fate. Voilà. Stack. Voilà. Back c'est so soon. I knew you would not falter. Donc, comment allez-vous? Alors, donc mode infini. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, donc oui, j'ai tout fait dans l'entraînement du soldat déjà. Coucou Zorbaï. Et donc, je vais faire une autre classe. Je pourrais faire donc, l'agent de l'ombre. Chanceux, et les multiplicateurs de combo sont réduits. Nomade, aucun inventaire. Ok, donc tout ce que je porte, je dois équiper ce que je veux, je peux pas. Tout ce qui irait est automatiquement vendu. Ok, fin de fer. Équipement jeté au tour du mutant de fer. Que choisir? La malédiction du prince lion, armure, désir d'accumulateur. Plus vous avez d'équipements superflus, plus votre niveau de vie est élevé. Vous infligerez plus de dégâts en combat lorsque vous avez de l'équipement superflu. Pas mal. Comment? Que de coucou. Et dites-moi, comment allez-vous ce soir? Vous m'entendez? Allô? Je m'entends. Ah, ça va. Ça va. Alors, donc, je vais commencer par... Commence avec un niveau du mi maximum faible et augmente avec chaque ennemi vaincu. Eh ben, je vais essayer ça, voilà. Je vais essayer ça. Et ça rajoute une carte. Test du clan. On va voir ce que c'est. Et non, pas ce soir. Il n'y a pas de song request. And from them I have built a palace of memories. Alors. A convoluted maze that few will ever reach the end of. Parce que ce soir il y a de la musique et il y a du. Donc je les ai pas mis pour ce soir. Alors les points de vie automatiques en mangeant augmentent lorsque votre niveau de vie baisse. As pleases you. Oui, mais je les mettrai toujours par une graphe. Salut Geek un jour, Geek toujours. Hey, désolé, mais... Surtout que faut savoir que... j'ai quand même pris donc la vidéo pour la mettre sur YouTube. Il va falloir que j'enlève toutes les musiques. Parce que j'ai essayé de la mettre sur YouTube pour le coup. Salut Geek un jour, Geek toujours. Ça va. Ça va bien, et toi, comment tu vas? Et donc, je dois l'exporter, ça va me prendre quelques heures. Allez, c'est parti. Donc je commence avec 40 points de vie. Ah oui, je commence bas, ouais, en effet. Le choix du diable. Diable vêtu d'une cape apparaît. Je suis venu mettre votre puissance à l'épreuve, prétendu héros. Choisissez votre ennemi. Ok, bon, on va prendre le 3. Hein. On va prendre le plus dur. Ouais, il y a du son, il y a de la musique. Alors... Ma vie augmente avec chaque ennemi vaincu, donc on va voir ça. Allez, ça va, je ne fais pas toucher. Ah, vie max plus 2, ok. Donc vraiment à chaque ennemi vaincu, je gagne 2 points de vie.
Un camion fait pouet pouet. Ah oui, c'est chiant ça. Quand t'as les camions qui klaxonnent dans ta roue. Bonsoir, Dracal Gaming. 3 cartes gains. Excellent, cette là. Donc, bah, j'imagine que c'est pas réparé depuis hier soir. Mais t'en as pour quelques semaines en plus. Alors, s'exclame le diable. Vous avez passé un test ingénieux. Prenez ce trésor. Ok, 3 cartes gains. 3 aliments. I'm sure you are grateful for that. Oula. Alors, 4. Qu'est-ce que j'ai ? Anneaux du Berserker. Ah, bah, je vais les mettre au-dessus. 10 points de vie max. Merci. The pendulum can swing both ways. Alors, c'est quel DLC ? Bah, en fait, là, j'ai choisi le masque du roi lion. Enfin, j'ai plus exactement le nom de la carte. C'est celle où, à chaque ennemi que je tue, je gagne des points de vie. Il commence bas, à 40, mais j'ai déjà 56. Et tu as juste raté mon choix, en fait. En fait, c'est le DLC qui va avec, qui débloque les classes différentes pour le mode 1, pour le mode infini. Ok, c'est le début, hein, c'est le premier niveau, donc ça va être facile. C'est là où je me fais tuer, bêtement. Aïe. Voilà, j'ai plus de points de vie max, et là, à chaque fois que j'en tue un, plus de points de vie max. Donc ça peut monter très haut. Donc c'est pas très dur, donc... ça doit être un mode de jeu un peu facile pour aller loin, je pense. Encore ? La même. Deux fois la même. Allez. Je t'ai vu, toi. Putain, les pièges. Allez, baston, baston, c'est clair. Baston. Voilà. Donc là, c'est le début, hein, c'est tranquille. Ah, tu joues à Hearthstone à côté? J'ai essayé Hearthstone, mais... T'es à l'hôpital? Putain. Une grosse fracture, hein, si t'es à l'hôpital. C'est chiant, ça, en effet. J'ai essayé Hearthstone, mais j'ai pas... voilà. Trop de trucs. C'est pas pour moi. Bon, bon, je perds un aliment. J'ai connu pire. Oh, trésor maudit, c'est une nouvelle carte. You do seem oddly fixated. Donc on va voir ce qu'il faut, ce qu'il va nous treasure and pillage. Does nothing else move you? Je peux gagner une nouvelle carte. Enfin, une nouvelle carte. Une carte en plus qui est de base dans le jeu. Dans la cour d'un vieux temple, vous trouvez un trésor. Alors, n'hésitez pas à vous servir, vous dit un vieux moindre boucri, mais chassez qu'il est... sachez qu'il est maudit. Bah, je vais le prendre, hein. 5 cartes malédiction dans les dents. D'accord. Ah, that is one of my favorites. Ok. I worked long and hard to make that particularly painful. Ils doivent t'endormir. Ingenious, don't you think? Je gagne beaucoup d'or par contre. Ok. Cette carte, elle est... On gagne beaucoup d'or mais plein de malédictions. Une impadicite et... On n'écoute jamais... 3 cartes équipement. Ah ouais, quand même. Anneau du Berserker. Épée du roi squelette. Je prends. Bandage de sorcière. Il faudra que je regarde les malédictions que je me suis pris parce que... Ok. Bon bah, bonne chance. Quelqu'un qui clique toujours. Fais gaffe hein, quand même. À la prochaine, j'espère. Alors attendez, inventaire. Parce que les malédictions, je me les suis prises sans voir exactement. Alors, malédiction, c'est où? C'est là. Alors, entaché, je ne peux rien vendre. C'est pas grave. Ok, ne pas faire de coup de grâce. Ça fait mal.
je perds des pièces d'or. Je perds des pièces d'or quand je fais toujours. Ok. C'est pas grave. Portail surprise. Ça va me téléporter quelque part au pif. Ah bah oui, ça me fait transporter à la prochaine truc. Ok. Allez. Oui. Oui ou non. Non, je vais pas aller en haut. The circle repeats without end. C'est pas grave. Does the rook understand the oblivion that engulfs it when it is placed back in the box? 5 aliments, ça va. Does the king understand that he truly rules over nothing? Je voulais aller voir le joaillier en fait. Autant que je dépense de l'argent. Alors. Pas de chance, moi. Alors. Si je repère ce point de vue, les cartes des aliments, non. Pas de chance pour moi, mais moi pire. bof. Ça peut être pas mal. Ok. What will you do with that? Ad paix. Non, ça, ça m'intéresse pas. Aliment, non, il n'y a pas assez. Il va falloir que je tombe sur un guérisseur hein, pour enlever toutes ces malédictions que je me suis pris dans les dents là, parce que ça va pas le faire. J'en suis pris 5 avec ce coffre maudit, mais il fallait. Carnaval du diable. Vous allez, mais vous sentez des odeurs bizarres en vous promenant entre les tentes et les étals qui furent jadis haut en couleur, mais désormais couverts de poussière. Paysans comme des nobles errent dans les rues et passent devant les merveilles et les surprises d'un air hagard. Quelque chose vous sous vos sens, pour l'instant vous oubliez votre quête et le chemin que vous avez conduit ici. Ok, je dois quand même me la faire, hein. Ok, j'ai déjà fait la carte, mais bon. A choice. Select your desire. Petite réussite normale, ça va. Je crois que c'est celle-là. Bon, des réussites classiques, ça me va. Hein. Tant que c'est pas des échecs. Voilà. Coffre à trésor. Je vais approcher du coffre. Une chance sur deux. Putain, c'était un échec, évidemment. Ça pouvait pas être. Clic. Essayez d'échapper au gaz. Je crois que c'est celle-là. C'était un échec. Bon, autant que c'est pas un grand échec, c'est pas grave. Une carte perte, 5 points de vie max, ok c'est pas grave, j'en récupère à chaque fois que je tue. Alors, j'ai essayé de l'ouvrir. 3 chances sur 4. Putain, 3 chances sur 4, je me prends l'échec quoi, c'est pas possible. Bon bah je vais continuer. Ça commence très mal hein. Je me prends plein de cartes, c'est normal. Maudit, il m'en rajoute une. J'ai des gantelets. Bon. Il faudra un guérisseur, s'il vous plaît. Dôme des lézards. Ok, ça c'est difficile. Alors, eh ben, je vais me prendre le dos de sable. GG, merci. Non mais je suis mauvais, hein, je sais. J'essaie de suivre les cartes, hein, mais... Je peux pas esquiver, j'ai pas de bouclier. Mais bon. Non mais c'est pas vrai, j'ai sauté là. Pas mort. Allez meurs. Ouais mais je pourrais avoir de la chance, juste que j'arrive pas à les suivre les cartes. J'ai pas de chance. Enfin c'est pas que j'ai pas de chance. J'ai du mal à les suivre. Pourtant elles vont lentement là. Je suis pas dans un mode difficile ou quoi. Une carte gain, 10 aliments. C'est cool. Alors, entraînement ou combat? Allez, les bandits, hein, on va rester classique. 4 de sable, c'est parti. Bon, elle viendra après la chanson. On va dire que c'était que le début. Et en plus, là, j'ai un truc qui
fait quelque chose, je sais pas quoi. Il faut pas que je les achève par contre, parce que sinon ça me fait mal. Ok, il y en a un qui est mort. Bim. Bam. Boum. Et voilà. La vie augmente, c'est ça qui est plus 2, plus 1. Putain, y'a. Avec toutes les malédictions. Avec toutes les malédictions, le jeu il sait plus où ce que si je dois gagner des choses ou si je dois en perdre. Il me faut vite un guérisseur. Plus moins 1, plus 1, moins 1, plus 1. C'est plus moins 1. Deux cartes monstres. Je peux essayer de les prendre par surprise. Grand échec. Nickel. Salut Johnny 604. Une carte perte. 10 points de vie, ça va. Et je me fais le combat. Allez. Hop. Voilà. Voilà, rien à dire. Mais non, n'y va pas, Zoruel. Enfin bon, tu fais ce que tu veux, hein, mais t'inquiète, hein, la chance va revenir. Cinq aliments. Trois... Ah, parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? 50% de soins supplémentaires en mangeant des aliments, mais subit 50... Non. Anneau du pilleur. Je prends. La chance va revenir. Better than trudging along a muddy road, certainly. Le valet de sable entre en jeu. Les pièges sont plus fatales. Bon, donne-moi un guérisseur, là, s'il te plaît. Ingenuity. I look forward to seeing how you approach this particular challenge. C'est une boutique classique, mais j'y vais quand même. Il peut y avoir des trucs bien dedans. Approchez de la boutique. Bonjour. Acheter des objets. Alors. Non. Non. Non, rien d'intéressant. Ok. Je vais plutôt acheter de la nourriture. La bouffe. J'en ai besoin de beaucoup. Parce qu'il y a une carte qui vaut 50 de nourriture et je veux la faire. Je veux réussir à l'avoir. C'est pas facile. Quoi. 50 de nourriture, c'est... Limite, je me dis, bon bah... J'arrête le jeu là, quoi. Non, je veux pas donner mon sang. Deux de sable et deux de crâne. C'est parti. Moi, je veux du combat. Et vu que j'ai l'épée du roi squelette... Est-ce que ça lui fait quelque chose au squelette? Ah, je regarde ce que ça fait exactement. Parce que... J'ai oublié de les bourrer quand même. Saloperie. Mais arrête de tirer des dagues, toi. Finesse, vas-y. Meurs. Voilà. C'est bon, il est mort. Voilà. J'aime bien. Je vois tous les machins sur les côtés parce que je gagne et je perds de l'argent. Il sait plus où il en est. Ouvrir le coffre. J'ai des gants, donc c'est bon. Une carte équipement. Ok, super. Non, c'est bon, ça ira. Janvier, passer sans m'arrêter. Je pense par là. Le bard solitaire, je vais le laisser à sa misère. Parce que bon. Le laisser dans sa misère. Ouais, bah non, aider les gens du coin, non merci. Caves and fuir par la grotte.
One cannot hope to find adventure without a little delving now. Ok, il me raconte des cartes, normal. Il n'y a pas beaucoup de cartes impaires. Je sais même pas s'il y en a, à part les 1 de golem de lave. Il n'y a pas 5, 7... Je peux avoir un aliment. Oh dear. Donne-moi un guérisseur. Mage ambulant, je crois que c'est, il peut m'aider. Every card drawn from your thoughts and your memories. Désert des damnés. Every card. Je vais l'ouvrir. Tainted by your bon, view allez, of the world. Cette fois pas d'échec hein. And your single-minded purpose. The same singularity of purpose that oui, enfin une réussite. Une carte gain. Thank you. Alors, est-ce que je les mets dessus ou dessous? Dessous, parce que j'ai pas eu la note du berserker. Société secrète. Mais continuez à marcher. Allez. Je voudrais bien. Putain, il vend rien du tout, lui. Alors, lui, il sert vraiment à rien. Ok, c'est le mage ambulant qui peut pas m'enlever les sorciers, les malédictions. Super, super. J'ai pas de bouffe, dégage. Le trésor englouti. Refusé, j'ai pas envie de... Poste de traître. De traître. Non, je veux pas mes aliments, vous n'y toucherez pas les gens. Non, pas touche à mes aliments. Head downwards if you dare. J'en ai besoin. Il m'a rajouté deux boss là. Valet de peste et dame de peste. Trois boss. Dame de sable et valet de crâne. Trois pièces d'or. Je survivrai. I am not the first to deal the cards. Nor are you the first to play. Les amants, je vais pas m'en occuper. We will be the last. Non merci. Homme de rat en chasse, c'est parti. 4 de peste, 8. Putain, 8 c'est chaud. Let's go. Hop, hop, hop. Hop, hop. Oh putain, les trucs il enchaîne quoi. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, il y en a un qui est mort et il faut que je joue plus ces trucs là parce qu'ils font mal. Mourez. Parfait, il y en a un qui est mort. Toi là, qui t'éloigne. Allez hop. Non, non, et non. Mourir. Yop, bonjour. Ça va? Hop. Oh. Allez, meurs, meurs. Il meurt. Voilà. Ah, j'ai changé un petit peu de classe DLC. J'ai pris celle où tu n'as pas beaucoup de vie au début et tu en gagnes chaque fois que tu meurs. J'ai oublié le nom déjà. Rien de valeur sur les corps, comme d'habitude. Je suis au niveau 7, haute maléfique. Super. La musique du jeu est trop forte? Ah. Je peux. Voilà. J'ai baissé la musique du jeu. J'espère que c'est mieux. Hop. Tac. Voilà. Essayer de contourner la créature parce que peut-être que la fin est derrière, mais j'en sais rien. Allez. Choose from these options. Ah mais non, mais c'est pas possible. J'étais sûr que c'était celle-là. 10 points de vie, ça va. Je m'en fiche de la vie. Un aliment, ça va. Bon, ça va. C'est raisonnable. Minotaure blanc, non, j'ai pas envie. Ah, d'accord. Deux gars à la suite. Bah, bien joué. Hein. Mais tu joues en classé, je suppose. Valet de scam qui arrive. Ok, il y a les 4 valets en jeu et une dame.
I am sorry. Allez, un guérisseur. Appel du prêtre, c'est ça. We can hope that. Allez. Each card is unveiled, j'ai beaucoup de... Je peux enfin enlever les 5 malédictions que je me suis prises dans les dents, là. Parce qu'elles m'ont fait mal. Hein. Allez, enlève-moi ça, là. Voilà, là, je me sens mieux. Bon, ça aussi, hein. Bon, ça, ça va encore. Ça, ça va. Ah, moi aussi, je suis... Ok. Bah, c'est bien, comme ça, on est deux à être nuls, hein, parce que... J'ai essayé, mais ça m'a... je peux vendre des objets, acheter de la bouffe... Non, bah non, je vais... Je vais partir. J'ai bien levé pas mal de malédictions. Ah mais... Marcher. Voilà, là je me sens mieux là, avec toute la... J'ai gardé mes éléments là. Ah vieux. Je pense que je vais essayer de faire demi-tour. Et je vais parier que c'est pas celle-là qui est en haut qui est la fin. Je vais essayer. Bataille du Horus, ça c'est bien. Enfin c'est bien parce que j'aime bien les combats. J'aime bien me battre. Surtout que c'est des bandits aussi. De base, des bandits de base. Ça va, je maîtrise. Surtout que là, je peux y aller à fond. Il n'y a que les projectiles qu'il faut que je fasse gaffe. Parce qu'ils font plus mal, mais ils sont plus lents donc. Il y en a un qui est mort, je sais pas comment. Hop. Ah, il est mort à cause d'un piège, ok. Putain, mais elle est craquée cette classe. Je gagne trop de points de vie à la suite, là. J'ai déjà 109 points de vie, quoi. 111 et tout, de base, hein, je veux dire, moi aussi. T'as commencé dans ses débuts. Salut Captain Plouf, ça va? Allez, 2 cartes gain. 3 aliments, c'est ça qui est bon. 10 points de vie max, 127 points de vie, on est bien. Surtout que ça peut vite descendre. Hein. Secours caverneux. Alors, 3 de mage et dame de sable. Allez, c'est parti. Ah putain, elle attaque dure dès le début. Hein. Les bandages de sorcière, c'est très pratique, hein. Ça ralentit les... Par contre, faut que je m'occupe de ça, là, au fond. Parce qu'il m'envoie des trucs qui font bobo. Je vais éviter de m'en prendre trop. Hop, j'aime bien, c'est qu'elle a, elle est en train de taper sa propre tourelle. Bah, en soi, je sais pas, mais c'est juste la classe qui est comme ça. Après, il a pas d'avantage particulier. Je sais pas, par contre, c'est les désavantages qu'il a. J'ai pas vu, j'ai pas compris. Mais c'est qu'une classe particulière, hein. Les autres classes, elles sont pas changées. Allez, meurs. La classe lisse dans un certain jeu. Dans quel jeu? Non mais tu vas mourir toi. T'as pas compris là. Voilà. Mais saleté là. Meurs. La dame des sables. Voilà.
Ah, je regarde ce que ça fait l'épée du roi squelette, mais ce que j'ai pas compris. Mais c'est vrai qu'il aide bien. Bah, je suis d'accord, hein, mais. Un jeu roguelike. Bon bah, ah bah parfait, l'entrée de la grotte est à côté. J'ai bien fait de parier. Ah parfait. I'm sure you're grateful for that. 35 en shit. Bah voilà, marteau immense. Voilà, on va être bien là. Alors, mesures extrêmes, anneau d'urgence. Ouais, on va lui mettre dessus. Et je vais partir de ce côté-là. Rogue Legacy. Ah mais oui, t'as raison, c'est vrai. La liche, oui, c'est vrai. Je m'en souviens parce que je l'ai, Rogue Legacy, je l'ai fait, je l'ai aussi. Je pourrais le faire ça aussi. Tiens, du Rogue Legacy aussi, ce serait pas mal. Another curse on the table. Let us see how you deal with it. Monsieur Lionel. Je vais lui donner juste le pain de mon assiette. Une nourriture carte gain. Bien. Ouais, je pourrais. C'est une bonne idée. Chariot alimentaire, il me donne de la bouffe. Ça c'est ouh, de la bonne là, putain. Bon, l'apprenti, il va me J'hésite. J'hésite parce que je sais pas ce que cachent les autres et. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de faire de voir ce qu'il y a dans ce que me réserve le niveau. L'hôtel. Je vais laisser les dieux tranquilles. Ah dommage, j'ai pas le minerai. Ok, ça m'a juste donné des sous. Je prends. Alors qu'est-ce que tu vas me mettre? Ah, c'est les vacances pour toi demain. C'est bien. C'est vrai que j'ai tu sais que vu que je suis plus à l'école ou quoi, je sais plus du tout. Je fais plus du tout attention aux vacances scolaires. Le bohémien. Et ben on va aller le voir pour les sous. Et voir ce qu'il propose. Jour des vacances demain, c'est bien ça, ça veut dire que. Enfin, demain c'est vendredi. Ah, Drakel Gaming l'est depuis une semaine, c'est bien ça. Ah, les vacances. En soi, je suis en vacances, hein. Pas pour tout le monde, ouais. Ouais, je sais que ça commence demain pour certains, mais. Qu'est-ce qui m'offre pas grand chose d'intéressant. Trois aliments. Ouais si, il faut que je. Faut que je me mette à plus de 50 en fait. Parce que j'ai peur de tomber sur la carte et de pas pouvoir me la payer quoi. Parce que je veux. Il y a une carte que je veux quoi. J'ai pas eu toutes les cartes de base du jeu. Donc, gorge de mort d'homme. Super. Allez. 4 de peste, 6 de peste. 10 rats. Super. Mais j'ai un super marteau là. Ça va mieux se passer. J'ai un super marteau, c'est bon. Non mais d'où tu... Mais je suis ralenti ou quoi? J'ai l'impression que je suis ralenti d'un coup. C'est peut-être le marteau qui me fait ça. Allez. Et d'un. Te regarder à la papyrus. Allez, les deux rats là qui m'envoient des trucs depuis tout à l'heure. Voilà. Bon. Voilà. Mais j'y rejouerai pas à cette classe la prochaine fois parce que
je suis d'accord, elle est un peu cheatée, quoi, parce que voilà, quoi, je gagne des points de vie en tuant un ennemi. C'est un peu craqué, je l'avoue. Un peu beaucoup, même. Autant se mettre en mode facile. Ouais, c'est le marteau qui ralentit, quoi. En train de le regarder à la papyrus. Le regard papyrus. Allez, une carte de gain, 10 points de vie. Putain, j'en suis à 163 points de vie. Bon, après, ça peut vite diminuer, hein, donc... Ok, inconnu dans l'ombre. Je veux pas. Putain, je gagne tellement d'argent. Ouais, bah tellement d'argent que je vais me mettre des points de la nourriture. C'est clair que le marteau, bah, c'est une arme lourde en fait. Les armes lourdes, bah t'es plus lourd. Allez, je vais m'en mettre plus que 60. Voilà, comme ça j'ai de la marge. Une fois que j'aurai eu ce truc là de 60, arrivé à 1000, tu comptes plus. Mais je crois que c'est, non, c'est maximum 200. À 200 ça s'arrête, mais déjà 200 c'est bien pété. Hein. Press on. Ah, un de liche et un de golem de lave. The harder things become. Oh, le champ de coquille. Oh bah au moins je tombe dessus direct. Voilà, au moins comme ça c'est fait. Rivière, noble d'affaires, escalier, fantôme de laver. Ok, il y a le kraken. Il y a le kraken. Le kraken est bien, mais bon, il y a la rivière à passer, j'ai pas envie. Alors j'ai vu un 2 et un 2 de, je crois que c'était un 2 de lave, hein, avec une dame de peste. The black deck delivers again. Les ménestrels, c'est rare que je laisse celle-là. Des compliments, voilà, parce que j'ai pas envie de me faire chier. Envie de dépenser mes choses. Perdu. Allez. Une malédiction, carte perte. Piocher une malédiction. Ok. Ok, je m'en fiche. La taverne. Allez, je vais l'aider. Une chance sur 4. C'était la même. Mais j'arrive pas, hein. J'arrive pas à les suivre. Hein. Il faudrait que je me concentre beaucoup plus. Allez. Un échec. Au moins, c'est pas un échec critique. Bon, ça va, il m'a rien de... Un échec normal, c'est juste que... Ah, test du clan. Voyons voir. Again, a token is at stake. Vous vous êtes reposé dans un endroit sûr, pourtant vous êtes réveillé en sursaut par le conseil du clan, le plus ancien des vôtres, qui vous incite tous à récupérer ce territoire des mains des monstres. Que des échecs. Je suis d'accord, j'y arrive pas. Nous vous avons lâché dans la nature pour voir si vous deviendrez un membre fort de notre groupe. Vous allez maintenant être jugé. Chaque ennemi que vous avez tué vous a renforcé. Mais êtes-vous assez fort? Ok, le conseil du clan se réunit pour vous juger. Louis, soyez-vous, vous êtes devenu fort, mais ce n'est que votre première épreuve, nous revoyons vous rendre visite. Ce jeton de cartes est maintenant à vous. Ok. Après le jugement, le chef, la force du clan est le lion, et la force du lion est le clan. Ok. Bon bah j'ai gagné un jeton de cartes. Je suis content. Tant mieux. Donc c'était le jeton de cartes du DLC, ça. A voyage across the ocean, or merely a trip down the river. Maudit. Aura émoussée. Ah, oh, that is one of my favorites. Donne-moi un guérisseur. Une boutique classique. Bon, c'est pas. I say that I created. Un jeton gratuit, je suis d'accord. C'était gratuit. Surtout qu'il fallait juste buter des trucs. Le roi de sable et le valet de sable. I do not know who created it. Je vais gagner, je pense que j'arrive à 200 points de vie là. Ah ouais, d'accord, le truc il m'a.
direct. Ah mais avec le roi là qui fait ses... Je peux avoir mon attaque spéciale s'il vous plaît? Merci. Merci le jeu. Parce qu'il me donnait pas mon attaque. Je sais pas pourquoi. Donc je le bute en premier parce qu'il soigne ses potes. C'est clair, le bouton gratuit quoi, la carte qui sert. Et bah tu perds qui les récupère avec toi, qui seront, vous avez le pouvoir, hein. Je comprends pas la phrase. Allez, ils auraient bien qu'ils meurent un peu là. Mais meurent. Oh mais. Mais décède. Décède, s'il te plaît. Allez. Putain mais le truc c'est un sac à payer. Ah oui, c'est vrai que je fais moins de dégâts. D'accord, ok, les parades ne marchent plus. Ils me gavent. Allez. Vous pouvez mourir. J'ai pas tué un ennemi encore. Hein. J'ai pas tué un seul ennemi. Je me concentre sur lui depuis tout à l'heure. Et il m'envoie des attaques imparables. Donc, toi et tes couteaux là, tu me gaves aussi. Faut vite que j'enlève les malédictions là, parce que les malédictions elles me font. Allez, mais tu vas mourir toi. Putain, mais ils veulent pas mourir quoi, les gars. Pourtant, je. Eh ben. Cette pub. Quelle pub? Ah, à plus Captain Cook, parce que moi j'ai pas vu que tu t'en allais. Mais... Tu es peut-être déjà parti. Bon, je voudrais bien que ce combat finisse un jour. Ce serait sympa, parce que... Bon. Vraiment que je t'abatte toi, hein, premier, c'est ça? Mais ils sont immortels ou quoi? C'est pas possible! Et tout ce que je leur mets, y'en a pas un qui est mort! Mourir un jour. Est-ce que je perds des points de vie au final, mais... Allez, j'ai juste augmenté des choses. Allez, meurs. S'il te plaît, meurs. Mais il veut pas mourir. C'est pas possible. Il y en a pas un qui veut mourir, s'il vous plaît, là. Parce que ça commence à être gavant. C'est... Justin. J'en demande qu'un seul qui meurt, quoi. Mais merde, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu ne veut pas que je... Non, personne ne meurt. C'est fini. C'est quoi, ce truc? Plus force... Ah bah voilà. Punaise, il a mis le temps à crever celui-là. J'ai plus de points de vie, quoi. Ah, d'un coup, je meurs. Le moindre petit coup, je suis mort. C'est un peu exagéré.
Ça va, j'ai cancel mon pouvoir. Non mais venez. Allez. Putain, ils sont violents quand même. Niveau point de vie, j'ai buté leur pote là, leur chef, mais ça veut pas. Ah, il y en a un qui est mort, ça y est, j'ai vu. Voilà. Encore un autre, enfin. Salut boss! Jeu de cartes en FPS, c'est ça. L'autre il me poursuit, s'il veut. Allez, s'il vous plaît, mourrez. Eh ben. Salut Valvoé, c'est End of Fate. Ça va? Ouais, ça fait un bail. Comment vas-tu toi-même déjà? Et ça signe de End of Fate. C'est un jeu. Donc de cartes, mais où on combat pour de vrai. Et j'ai réussi. Putain, il me restait pas beaucoup de points de vie, j'ai. Alors, End of Fate, c'est comme un. C'est un roguelike en fait, on va dire. Parce que tu vois, voilà. J'ai un plateau de cartes. Et je me déplace sur ces cartes. Et en fait, chaque carte, c'est une rencontre aléatoire. Voilà. Et souvent, c'est des combats, des cartes chance à choisir, c'est des événements qui arrivent. Et le but, là, de la partie infinie, c'est d'arriver le plus haut possible. Là, j'en suis au niveau 13 et je suis tombé sur un combat très difficile. Rezorehai. Donc voilà. Ah, derrière, mais je suis un peu... soigné complètement, niveau de maximum... Ouais bah niveau de vie, soigné complètement. Voilà. Il y a la boutique. Ouais bah je vais aller à la boutique. Ça va, tranquille. Work your way through the woods and see what lies beyond. Combien de cartes il y a? Oulala, c'est une bonne question. Il y en a énormément. Faudra que je sais pas du tout. J'ai pas compté. Oh super, c'est une embuscade. Des fois les boutiques ça peut être des embuscades et après il y a la boutique mais il y a un pub, il y a une rencontre. Évidemment. Bon, j'ai bien fait de me soigner dès le début là. Bon, d'après ce que j'ai compris, il y a une malédiction que j'ai. Ah bah non, ils sont pas si forts. Je les tue assez vite là. Je les connais pas toutes par cœur les cartes, c'est vrai qu'il faudrait les compter. Surtout qu'il y en a que j'ai pas encore eu, hein. J'ai pas tout débloqué. Enfin peut-être bientôt là. Je pense que j'ai bientôt tout débloqué parce qu'il me reste... Là j'ai gagné un jeton d'une carte de base. Voilà, je peux approcher de la boutique. J'ai trouvé un jeton d'une carte de base, du jeu de base, donc peut-être qu'elle va soit débloquer des équipements... 20 752, c'est ça à peu près. Voilà, on va s'en mettre encore 78. Je suis bien. Voyons voir dans les objets. Gros mage. Oh, c'est nouveau ça. La vie mag 5 points pour chaque bénédiction qu'il pose. Bon, aucun intérêt. Enfin, pas tant que ça. En forêt. Roaming ever forward. Hey, niveau 14, hein, on commence à augmenter. Dame de Scam qui arrive. Piège plus dangereux, ça je m'en fiche. Long and hard to make that particularly painful. Le bohémien, il peut pas soigner les malédictions. Don't you think? Tu vas faire du Minecraft. Bonjour, The French Gaming 59. Est-ce que là ce soir, non, je n'en ferai pas. J'en ai fait hier. Donc j'alterne un petit peu, donc au milieu du désert. Donc là pas ce soir, désolé. Seulement ça me déçoit. Tu en voulais combien? Une centaine de milliers? Ah merci pour le follow, The Fresh Gaming 59.
j'en ferai et bienvenue. Donc je vais en faire pas demain, parce que peut-être demain que je pourrai peut-être pas live. Après-demain, samedi, habituellement, c'est du Don't Starve Together, habituellement. Errer sans but. Moi, j'aurais dû prier les dieux pour mon salut, mais c'était dangereux. Et sinon, dimanche après-midi, j'aime bien en faire. Je pense que dimanche après-midi... Oh, parfait. Une embuscade, j'aime bien. Dimanche après-midi, je pense que j'en ferai du... Je ferai du Minecraft, voilà. À peu près, je pense que c'est ça le programme que je pourrais... Que je peux annoncer, à peu près. Le dimanche de la détente, je suis peinard. Donc y a rien de dangereux là, enfin de particulièrement dangereux. C'est ça. Mais y en a pas. Je sais pas combien. Peut-être. Je pense pas qu'il y en ait une centaine. Mais c'est vrai que t'en vois des différentes à chaque coup. Bon, t'en as des identiques, c'est vrai. Que tu revois. Surtout en mode infini. Aïe. Bim. Parfait, y'en a un qui est mort. Là, je suis dans un mode donc, de DLC un peu spécial. Hein. Donc c'est un mode, là c'est la classe qui ça te rajoute 2 points de vie par ennemi que tu maximum. C'est-à-dire que t'as un nombre de vie maximum, ça t'en rajoute 2. C'est un peu pété. Dire une fois que j'aurai toutes les cartes de ce mode, je le referai pas. Parce que je le trouve trop facile. Je préfère craindre pour ma vie. Il y a plus de champions de LOL pour dire. Il en reste un. Alors faut faire gaffe aux rats, parce que les rats quand ils meurent ils laissent un poison. Voilà. Tellement qu'on peut pas compter. Mais c'est ça qui est bon. Au moins le jeu comme ça il a plein de chances de me surprendre. 3 aliments. Oh non, le parieur damné. Ah, je suis à 200 points de vie, donc déjà, à 200, j'ai lu que ça n'augmente plus. 200, c'est le maximum pour le pouvoir de ce truc. J'ai pas, si j'ac... Il faut que j'accepte, parce que si j'accepte pas, il me vole de mon or ou autre chose. Putain, j'avais une... À chaque fois, je tombe... C'est quoi ça? Non. Ouais, non, ça c'est mortel. Et ça c'est quoi ça? Le joueur ne peut pas être soigné. Grosse bourse. Parce que l'or, je peux le dépenser. Refusé. Au revoir. I look forward to seeing how you approach this particular challenge. I don't know. J'ai juste dépensé embuscade. Alors là, je vais me déplacer tellement lentement. Et en plus, j'ai la dame de crâne et le 6 de crâne. Oula, ça va être long. Je suis lent. Il faut buter ce totem parce qu'il invoque des crânes en plus. Au moins, la roulade, je vais aussi vite que... Putain, elle envoie des bombes. Voilà, ça y est. Au moins, ça, c'est mort. La dame de crâne. Ah oui, c'est riche. Hein, si une carte égale 1 euro... Ah, c'est long. Là, évidemment, je roule pour esquiver le tir, mais je roule dans le même sens, donc ça marche pas très bien. Ah bah, elle est morte. Bum. Et d'un, et de deux. Vous voyez, le nombre maximum de vie n'augmente pas. Ça y est. Par contre, je m'en suis pris plein la tête. Hein. J'ai perdu 66 points de vie rien que. Ok, à plus, boss. Je serais plus risque que Crésus. Ah ouais, tout le monde jouerait à ce jeu, c'est clair. Bim. Bim.
Imagine un jeu de cartes, en fait non c'est l'inverse. Tu dois payer pour avoir une carte en plus. 1€ par carte. Putain, le bout de mâchoire qu'on suit qui va. On a suivi un bout de mâchoire. Bout de mâchoire qui part dans le désert quoi. Ah, il y en a un qui est encore vivant. A choice. Select your desire. Voilà. J'ai un peu suivi le grand échec pour éviter de l'avoir. Allez, un équipement. Tour d'esprit, ok. Non, je veux pas l'équiper. Really? Is that what you're going to do? Hearthstone extension. Pokémon, le jeu de cartes. 40 pièces d'or, c'est cool. 5 points de vie max. 205 points de vie. Le max n'est pas 205, mais le pouvoir de la classe, c'est jusqu'à 200 maximum. Donc je peux aller plus haut que 200. Allez. Oh, putain. Évidemment, il y a une embuscade à ce moment-là. Et j'ai 145 pièces d'or. Je vais être super lourd. Je vais trop lentement. Oui, mais... Saloperie, le monstre. Heureusement, il y a les pièges qui sont là pour m'aider. Qui butent les monstres. Putain, mais par contre, là, le roi, j'ai avoir du mal. Hein. Ah, merci pour le full... Ah, pour le host, Captain Moustache. Et salut. Oh. Oh là là, non, mais, oh punaise, saleté. Meurs. La malédiction comme tout à l'heure, peut-être que si, hein. C'est possible que je mette très longtemps à tous les tuer, surtout avec le roi. Enfin, heureusement que... Parce que le roi soigne ses troupes, évidemment. Lancé. Allez, faut que je le bute lui en premier. Mais. Lui là, au fond là. Toi, tu vas mourir. Ah, sans bruit. C'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Ok, à plus, Valbruit. À la prochaine. Et bonjour, Sazuru. Je suis en train de me faire défoncer. Allez. Oh mais... Laisse-moi faire mon attaque. Salopard. Vite arrivé, hein. Punaise, évidemment, je me fais attaquer dans tous les coins. Ouais, en fait, c'est lui, hein. C'est vraiment le roi des sables qui renforce les ennemis, quoi. Et voilà, je suis mort. Non mais je ne pouvais pas réussir, là, avec la malédiction qui m'avait collé. Dead. And with an artifact unused. Perhaps that might have saved you. Voyons voir. My game. Ah oui, mais c'est pas grave. 30 pièces d'or et un anneau occulte. Ok. Et là. Putain, je suis mort qu'au niveau 15, hein, c'est nul. Hein. Test du clan 2. Score infini du prince lion. Ok. Donc tu vois la quantité de cartes? Voilà. Il y en a une petite quantité. Allez, on va continuer. Hein. C'est... De toute façon, je suis obligé de mourir si je veux. Oui, qu'est-ce qui est faux, Sazeron? Tu dis c'est faux, mais je sais pas à quoi. J'ai essayé un autre, parce que voilà, celui-là, il est gentil. Mais... Allez, on va essayer l'agent de l'ombre. Chanceux, les éléments de cartes de hasard sont plus simples. Multiplicateur de combo, les multiplicateurs de combo sont réduits. Ok, donc je fais moins mal. Ok, c'est parti. Agent de l'ombre. Ok. Ok. Boutique. Ok. Games aren't designed. J'ai l'armure lourde.
Je vais prendre une armure lourde, hein. Punition. Il met une malédiction dès le début, quoi. Ah, oh, le carnaval du diable, quoi. So who is the true creator? Allez, une chance sur deux. Ouais, mais là, une chance sur deux, avec ça, les cartes hasard sont plus faciles. Ah, punaise! Mais comment c'est possible? Bon, c'est pas grave. Ah, mais attends, on voit des choses là. C'est quoi ce... Alors, ça doit être le masque que je porte là. En entrant dans un niveau, toutes les rencontres qui peuvent comporter une carte hasard sont indiquées. Ok. Par contre, il a pas beaucoup de points de vie dès le début. Hein. Mm-hmm. Une nourriture carte gain. Oh, c'est gentil. À cash comme ça. Ok. C'est gentil. Alors c'est quoi ça déjà? Une pièce d'or plus 2 points de vie avec chaque carte de gain. Un autre vétéran. Après avoir contre-attaqué l'ennemi 3 fois, cet ennemi est marqué et reçoit le double dégâts infligé par le joueur. Ça fait très pratique ça. Et à nous du guérisseur. Reçoit des soins, une pièce d'or. Un autre vétéran, c'est pas mal. Si tu... Parce que si je... Every opponent falls once you know their weakness. Mais j'y ai pas pu... Bon, c'est pas grave. Moi, j'ouvre toujours, hein. Je risque. Là, surtout que je peux avoir... Les grandes réussites sont plus faciles. Logiquement, merci. Bon, l'esprit. Je vais demander humblement un service. Voilà. Je me sens plus fort. Ah, vie max plus 20. Ok, c'est sympa. Alors. Soldat permission ou aigle géant. Bah, je vais continuer parce que l'aigle géant, ça apporte pas grand chose, je crois. Sail away. À part à passer au niveau suivant. Donc. Piège, cache dans l'ombre, 5 points de vie. Ça passe. Alors. Appel du prêtre, et eh ben on va y aller. Hein, que... Aider les gens du coin. Donc il y a une carte hasard. You lose your health and you die. Yet, you're deux cartes monstres. We do not speak of the true death. Bah, je vais les combattre. Hein. The final oblivion. Bon, là je gagne pas de points de vie quand je combats, mais j'aime le combat. Begins again. Je préfère toujours le combat dans les trucs. Par contre, le mec il me lance un couteau direct. Par contre, direct des scams là. C'est méchant ça. C'est direct les lézards. Hop, va dans le piège. Voilà. Moi j'ai une arme de merde. Ils sont puissants, j'ai une arme de merde. Aïe. Mais lui qui reste à 3 km là, il meurt. Voilà, merci. Va mourir. Hop. Allez, meurs. Va dans le piège, s'il te plaît. Hop. J'esquive ça. Voilà, va dans le piège. Tac, tac, et voilà. Bim. Bim, bim, bim. Voilà. Je me suis pas fait toucher, je crois. Peut-être une fois, mais bon. Ça va. Nous vous remercions sincèrement. Nanana. Ouais, ok. Ils m'offriront un truc la prochaine fois qu'on se rencontre. Allez, l'appel du prêtre, c'est bien. Je vais peut-être pouvoir lever une malédiction. Je suis même pas sûr que j'en ai une, en fait. Non, j'ai même pas de malédiction sur moi, en fait. Non, j'en ai pas.
Bénédiction. Rien du tout. Non. 5 aliments pour 18. Ah, j'atteindrai une boutique qui en a qui en offre 10 pour 30. Ça vaut plus le coup. Ah oui, ça vaut plus le coup. Tu gagnes 6 pièces d'or. Secours caverneux. Je pourrais négocier avec les pirates. J'ai jamais essayé. Exiger qu'il livre la fille. On va tester, hein, parce que j'ai jamais testé ce... celle-là. Bon, c'est une réussite simple. Ok, donc je choisis qui m'attaque. Non, qui s'enfuit. Ok, donc il y en a que la moitié. Je pense que ça aurait marché si j'avais exigé et que j'étais sur la réussite. Ok, je peux faire une attaque desktop. Je sais même pas, tout à fait. Bah en fait on demande non c'est faux, tu avais dit ça Sazeron, tu avais dit non c'est faux, on se demandait pourquoi. Hop, hop, ah zut, allez, j'ai brisé mon combat. Pif, 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 pif. Il meurt, voilà. Je vous ai tailladé le nez. Alors, 3 cartes gain, un équipement, c'est cool. Non mais tu te fous de ma gueule. Épée de l'ombre. En fait, elle fait pas de dégâts cette épée. Ok. En plus sur gâchette haute gauche pour efficace contre les bandits. Je m'en fous des bandits parce que c'est ceux qui font le moins peur. Donc oui, je vais la prendre la hache. Inspecter et remettre. Voyons voir. I'm sure you're grateful for that. Tu voyages en mer, bataille du Horu, ça me tente. Hein. Et grotte d'abri. Bon allez, on va passer au niveau suivant parce que ça je perds de la nourriture. Nothing more pleasing than the smell of salt water and the rush of wind, is there? Allez. Nasty. Entraînement au combat. Allez, des bandits. Deux de sable, ça va. Ça va me donner je sais pas quoi. On va voir. C'est pas une carte très dure, on va dire. Dire qui est-ce qui prend. Peut-être si je faisais un monstre plus difficile, j'aurais un truc meilleur aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Faudra que j'essaye. Parce que là j'ai une hache pourrie de base. Mais si un jour je retombe dessus avec un équipement un peu plus conséquent, disons-nous. Surprise, ok. Ok, il me fait aller. Le minotaure blanc avec une hache pourrie. J'ai fait se battre sans le faire exprès. Je suis mort. Je suis mort. J'ai le bouton à spammer tout seul, j'ai pas fait exprès. Bon bah c'est parti. Hein. On va essayer de faire quelque chose. Ah ouais, mais c'est clair. Le minotaure blanc, j'aurais... Quoique j'ai une armure lourde. S'il veut bien arrêter de s'exciter. Allez, viens, charge-moi, s'il te plaît. Voilà. Merci de m'avoir chargé, mais... Ça serait bien si tu t'étais annoncé aussi, au passage. Allez. Non, mais... Charge. Non, mais... Oh, la charge qui... Oh, et puis je bourre, je vais mourir, je m'en fous. Je peux pas, avec le minotaure blanc, j'y arrive jamais. Il a trop de phases d'attaque et tu peux pas te défendre. Il a que des attaques imparables, c'est mort.
Voilà, c'était mort dès le début. Dès que j'ai commencé le combat, c'était mort. Je savais. Il faut que je recommence parce que j'ai rien fait sur cette classe. Allez, on recommence. Agent de l'ombre, c'est parti. Ah ouais, gros rythme. Ah mais je le savais là, c'était ici. Armure interdite. Offre une excellente protection contre les dégâts, mais le porteur est immunisé contre tous les effets de soins. Je vais la porter et voir si à chaque pas... Ok, deux fois plus de... Si à chaque pas je ne suis pas soigné, je l'enlève. Je peux enlever les choses. Je peux remettre mon armure légère. Bon, deux de peste. Donc là, je suis beaucoup plus protégé. On va voir. Moi aussi, j'envoie des coups. Ouais, super. Tu peux viser le monstre, s'il te plaît ? Mais le monstre qui attaque, trois attaques à la chaîne, quoi. Craqué. Allez. Allez, meurs. Voilà. Ouais, faut le faire à distance, mais avec quoi? Je vois pas comment je peux le faire à distance, quoi. Y a pas des dalles de piège. Je vais entrer. C'est que le premier niveau, il doit pas être trop dur. Je peux gagner des sous. J'ai pas beaucoup d'or. Voilà. Allez, merci. Voilà. Hop. Hop. Oups là. On va essayer de pas mourir. J'ai cru voir un truc là. Oui, voilà. Aïe. Bon, il y avait rien, évidemment. Je quitte la chambre forte. C'est parti. Ah, à distance. Mais après, ils me foncent dessus, quoi. Non. Non, je veux pas donner mon sang. Parce que ça me perd beaucoup de points de vie de donner mon sang. Et je l'avais pas, mon épée actuelle, en fait. J'ai pas du tout les patterns pour la battre, le Minotaur blanc. Je sais pas du tout comment s'en prendre une masse de... monstrueux de dégâts, je vois pas du tout comment on me le fait. Sinon je peux... Il y a un moyen avec le masque du Kraken. Je vais craquer le masque du Kraken, si j'ose dire. Ça y est, vous avez fini là? Donc toi là, tu me gaves à l'ancienne d'art là, 3 km. Meurs. C'est bon, ils sont tous morts. Tiens, on va tester ça. Mais il vise même pas automatiquement. Comment je fais? C'est trop dur de viser. Allez, le plus dernier. Voilà. Parce que je veux au moins avoir une des cartes, enfin un jeton de cartes du mode, quoi, enfin du DLC. J'ai pas de... Non, faut que je lève le coffre. Je vais me faire défoncer si je prends le coffre, en fait. Parce que j'ai pas de gants. Il faut des gants. Si j'ai pas de gants, le coffre, il vaut pas le coup. Il y aura des cartes pertes, et plein de malédictions dans les dents. Déjà que je suis pas très fort, là, avec ce perso. Ouais.
Malédiction du prince du lion, une arme à distance, max du kraken, c'est clair que... Auto win. Oh, ça, ça me va. Another curse on the table. Let us see how you deal with it. Tout le monde se prend plus de dégâts et je vais prendre ça. La rivière, super. J'ai une armure lourde, hein, donc... Choose from these options. Voilà. C'est bien que ce soit plus facile. Donc je fais demi-tour, hein. Super. Et je... Ok. Ça ne me soigne pas, donc je vais enlever cette armure. Parce que je ne peux pas me faire soigner. Je vais prendre le... Même si j'ai plus de dégâts, je vais au moins me faire soigner pendant les... Pendant les... C'est le valet de sable là ou c'est juste... Non, c'est juste des bandits random, hein, ouais. Ok, j'ai lancé ma truc, mais j'ai pas vu lequel ça allait. Aucun n'a été touché, tout est normal. Aïe. Et le mec, il attaque à 3 km. T'as pas une lance, hein, mon gars, t'as une hache. Aïe. Aïe. Tchic, tchac, tchac. Voilà, meurs. Meurs. Voilà, décède. Merci. Et j'ai déjà fait le Minotaure blanc, mais en bourrant comme un... J'avais plein de points de vie, quoi. Une carte gain. 15 pièces d'or. Par contre, équipement... Je peux pas enlever l'armure. Je peux pas enlever l'armure. Je suis bien niqué. Putain, je vais pas y arriver avec ce perso. Voyage across the ocean, or merely a trip down the river. Par contre, là, il va falloir que je trouve une armure. Putain, mais je suis à cause de cette armure, là, je suis niqué. Je suis complètement. Little pleases me more than watching your attempt to wriggle away from bad luck. Allez, le bohémien. Grâce au bohémien, je vais pouvoir vendre mon armure, même si je l'ai équipée, et comme ça, je pourrais pouvoir me soigner, parce que là. Déjà, est-ce que je peux acheter... Lame infernale. La lame infernale libère des âmes des ennemis abattus, les laissant ici-bas. Appuyez sur gâchette pour faire exploser leurs âmes, ce qui augmentera la puissance et la rapidité de vos attaques. Ça coûte que 10$. You think that will help you? Oui. Et l'armure interdite. Que j'ai besoin de me soigner. Voilà. Même si j'ai plus de défense, au moins. Ça me donne presque rien. Au moins, je peux me soigner. Parce que si je peux pas me soigner, ça sert à rien. Je vais mourir. Voilà. Sentier sinueux. Bon, bah, des ennemis. Une carte monstre chacun. Deux de sable, deux de crâne. Vous êtes quatre. Je suis seul, ça suffira. Ah oui, mais en fait, oui, d'accord, j'ai compris. Il faut tuer des ennemis. Ok, le pouvoir se recharge très très lentement de cette arme. Aïe. Putain, 18 points de vie, il m'a enlevé lui. Aïe, j'ai vraiment pas d'armure en fait. Bon, bah, ils sont morts. Ok, j'ai même pas eu le temps de. C'est peut-être pas une bonne idée de vendre mon armure, mais bon. Si je peux pas me soigner, ça sert à rien. Deux cartes gain. Ah, parfait. Épée, contrat de mercenaire. Dare to summon the storm. Ah, bah parfait ça. And you may harness its powers. Inspecter et remettre. Alors qu'est-ce qui m'attend? Oh putain, les hommes de rat en chasse, trésor maudit, aider les gens du coin, quoi.
c'est la mort qui m'attend. 4 de peste. Putain, je vais pas y arriver, hein. Il commence mal à chaque fois, là, ces trucs, hein. Punaise. Ah mais oui, c'est vrai que tout le monde fait à plus mal de 50% et se déplace plus vite de 20%, j'ai oublié ce détail. Non mais arrêtez vous deux là. Ouais voilà, je suis mort. Non mais j'y arrive pas, hein. C'est de la merde là, l'agent de l'ombre. Hein. Faut dire, je commence toujours très mal là. J'ai jamais eu... Oui, j'ai eu une armure qui m'empêche de me soigner. Putain, mais il me donne des trucs de merde aussi. Allez, on recommence. Je veux au moins avoir une carte de ce... De ce DLC, de ce personnage, quoi. Ah ouais, mais... Allez. Je vais y arriver. Agent de l'ombre 1, j'ai même pas eu la première. Ça, c'est normal. Ok. It takes a very special person to walk through this door. You need to have lived a life that provides enough meat for our deck. Yet, voilà. You also need to have enough will. Je vais commencer par celle-là. Enough power Oracle. To persist. Je vais essayer de faire le voyage. Parce que là, voilà, il y a beaucoup de chances de cartes comme ça, donc j'ai pas beaucoup de chances d'échouer, quoi, grâce à l'engin de l'ombre. Allez. Ah d'accord. C'est les bénédictions que je vais gagner. Super. En fait, ça sert à rien cette carte. Et ça, ce sont les malédictions que je vais me taper. Ok. Ok, ça va, c'est pas trop méchant. Pas trop. Ok. Super. Oh, pèlerinage! Il faut 50 de bouffe. Je peux pas partir en pèlerinage. Je peux pas gagner ce jeton tant que j'ai pas 50 de bouffe. C'est complètement craqué. 50 de bouffe, quoi. Ah, moi j'attaque. Je regarde même pas. J'essaie même pas de donner mon or ou quoi. À l'assaut. Non mais attends, mec, explique-moi comment t'as pu le... Comment il a pu viser complètement à côté alors que le gars il était en face, quoi. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Heureusement j'ai une bonne défense là, mais... Punaise, quoi. Allez, une carte équipement. Croissant de sang. Est-ce qu'elle fait plus de dégâts? Oui, donc à la limite, j'utilise pas le coup fatal, mais... Alors, portail surprise ou les amants? Bon bah... Escalier. Were you hoping this was the end? No. Another floor awaits. Allez, maudis-moi. Vas-y, voilà, je savais que... The deeper you go, j'ai pas de gants. Dépouille du héros. C'est pas mal. Ça peut me permettre... Ouais, je prends tout. Non, je l'équipe pas. Non, je l'équipe pas. Évidemment. Donc là, tu vas me la mettre. C'est bon. C'est ça, mais c'est trop ça, le mec on dirait qu'il voit pas où il vise, quoi. Il pourrait au moins y avoir un lock, quoi, un truc comme ça, là c'est un peu de la merde. Alors, frapper à la porte, non je vais continuer de marcher. Hop, faut que je teste. En fait j'ai toujours peur des cartes hasard, mais là j'ai la facilité du mode, donc redonner le bouclier. Parfait, bonne constitution. Many of these blessings are too good for the life. Putain, j'ai tellement spammé qu'on a même pas vu quand j'ai rendu l'épée. C'est pas grave. Allez, le ferry. Perfidie du dealer. Bon, ok, toujours pas de boss. Un piège se cache dans l'ombre. 5 points de vie, ça passe.
Mais donnez-moi juste la petite carte, la petite carte nouvelle. Moi, je veux que j'ai envie de passer à un autre, à une autre classe. Il y en avait des marrantes. You have questions, and I will provide answers. After all, that is why you came here, is it not? Hey, acheter de la bouffe. Il y a un chien dans mon oreille. Enfin, j'ai pas assez d'argent de toute façon. C'est la dèche, hein. Punaise, ce mode-là est un peu difficile par rapport à l'autre. L'autre était craqué. Les faveurs d'un marchand. Je vais prendre l'or. Ok. Fardeau, normal. Et la politique de retour, elle est une case au-dessus. L'apprenti. Non. Non. Voilà. Et là, la politique de retour. Oui, c'est moi, voici vos 100 pièces d'or. Merci. Et donne-moi des choses. Donne-moi une pièce d'équipement. Alors, anneau de saint ou fléau des morts vivants. Dégâts 30. Mais elle me fait envie. Ouais, dégâts 30. L'autre, elle avait dégâts 25. Voilà, là, on est bien. Ouais, bah, je suis obligé de repasser par la boutique. Forge sacrée, de toute façon, je pourrais y aller, mais je vais user un aliment. Caves and caverns. J'ai pas le minerai de fer. Si t'as le minerai de fer, t'as l'arme qui auto-win tout. Le valet de sable, je l'ai bien vu. Les pièges sont plus fataux. Ah oui, un fatal de fataux. Je vais aller chercher l'argent. La demoiselle. Bonjour. Provision, please. Deux cartes gains, 5 aliments, c'est cool. Ah, c'est la carte bonus, quoi. Et 3. Ça fait 8 de plus. Les omras. Deux cartes monstres. 4 de peste et 4 de peste. Ok, 8 rats. C'est parti. Ah oui, j'ai une bonne. Enfin, elle est pas très bonne. Mais... Enfin, elle fonde des rats, non, mais elle fait 30 de dégâts, donc c'est cool. Bam. Bam, bam. Je crois que la carte pèlerinage, là, que j'ai dit qu'il faut 50 aliments. Eh ben, c'est la dernière carte du jeu Vanilla que j'ai pas débloquée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris, d'un coup je vais super vite. C'est le fait de m'être fait toucher? C'est ça, c'est le fait de m'être fait toucher. Faut que je regarde les quatre... Mais punaise, mais il va crever toi. Putain, je fais super mal aussi. Ouh, elle est craquée cette arme. Allez! Voilà. Elle est classe. Voilà. Là, on est bien. Ah, j'ai perdu un anneau. Et oui, évidemment, maintenant je perds des anneaux. C'est vrai que j'oubliais ça. Ah, pour une fois, je trouve des trucs sur la carcasse des rats. 5 aliments. Faut vite que je laisse cette malédiction. Totem des enfers. Partir. Je m'en fiche parce que les 4 d'enfer, ça va. Ah, bah oui. Ah, j'en merde. Ok, donc j'ai... Ouais, mais j'ai plus l'anneau du recul. C'est pour ça que je vois pas ce qu'il y a ailleurs. À cause de cette malédiction qui m'a mis là sur le dos. Bizarre, ces cartes. Le piège se cache dans l'ombre. On perd des 3 pièces d'or. Allez. Mage ambulant. C'est l'appel du prêtre qu'il faut. Mage ambulant, ça sert à rien. Continue to draw closer to a resolution. Allez, oui, je vais prier. Very few have come close to unraveling the game, mind you. And none have. Ça va, c'est pas trop dur. Une carte bénédiction sans toxique. Parfait. The gods look upon you favorably. Mais là, je perds un anneau à chaque truc. Si je perds tous mes anneaux, ça va pas être drôle. Hein. Les bandages de sorcière, c'est super. Ça. Y'a pas de conflit.
Un de bouffe pour 6 pièces d'or, on va pas déconner non plus. Ça fait un petit peu trop là. Alors, oh bah le minerai de métal. Bon, je vais le prendre, mais bon, j'ai déjà passé la forge. Hein. Donc, à moins que par un hasard. All sorts of terrible things live in caves. Ah, punaise, plein de boss. Allez, un piège se cache dans l'ombre, 3 pièces d'or, ça va. As long as you play and persist, we will continue to draw closer to a resolution. Very few have come close to unraveling the game, mind you. And none have succeeded. C'est contre les morts vivants, ça sert à rien que je fasse ça. Ça c'est vraiment contre les morts vivants que ça marche. Aïe. Ah ouais, tiens. Merci de m'avoir touché. En fait, faut se laisser toucher quoi pour. C'est tôt, complètement craqué. Hop. Meurs. Voilà. Putain, le râle d'agonie de celui-là était violent. Là. Voilà, qu'on en est bien là. Le lieu est sécurisé, vous pouvez partir. Merci. Alors. On va continuer. Oh, le carnaval du diable. Techniquement, la liche. Ah bah ouais, j'imagine. Ah, c'est clair que cette armure plus... Ouais, mais c'est craqué. Faut que, à partir du niveau 20, tu tiens pas longtemps, quoi. Enfin, tu peux pas tenir longtemps, GG. C'est impossible. Alors. C'est bien ce qui me semblait. Alors. Bon, il est craqué pour les cartes chance. Savoir qu'Annie, chaque fois que le joueur utilise un artefact, il y a 30% de chance que de réduire les maisons sans. Bon, c'est une bénédiction que je prends. Embuscade. J'ai une chance de. J'ai vu que j'avais possiblement une carte chance. Donc on va voir. Ça peut être après. Voilà, c'est parti. Il m'a touché. C'est la fête. En plus là c'est une armure légère, l'armure de... Elle est craquée. Ok, l'armure du berserker, meilleure armure je pense. Que j'ai vu là. Hier c'est franchement l'objet qui me permet de craquer. Je trouve. Donc maintenant dès que je la verrai, c'est bon. À moins qu'il y en ait une autre mais que j'oublie, mais là... J'avoue que... Elle est pétée. C'est l'armure pétée là que j'ai trouvé. Ah bah voilà. Bon. Si je me prends le grand échec. Voilà, le grand échec il est là. Voilà, c'est bon. 3 cartes gain. 10 pièces d'or. Un équipement. Anneau de paix. Ok. 50 points de vie. Ça ne sert à rien, mais c'est gentil. J'aime bien les grosses cartes bonus qui servent à rien, quoi. 50 points de vie. Ouais, mais j'en ai perdu 3. C'est bien, t'as servi à rien. Valet de scam. Piège se cache, un aliment. J'en ai une vingtaine. Encore. On va aller par là. Des dalles de piège. Allez, entrée. C'est clair. J'ai fait une connerie.
J'aurais peut-être pas dû lui toucher. Oula, ok, oui, mais... Oh, c'est bien, je me suis fait toucher, je vais beaucoup plus vite maintenant. Bon, je vais essayer d'éviter. Et donc... Ah ouais, d'accord. Super, je me suis fait détruire par un dédale de piège. Je vais mourir à cause de ça. Putain, il est pas si facile en fait celui-là. Et voilà, je suis mort empalé comme une merde. J'y arrive pas. Cette classe, j'y arrive pas. Hein. J'y arrive pas du tout. Once more into the grave. How unfortunate. Putain, mais j'y arrive pas quoi, c'est fou. Ah ouais, mais c'est des poteaux. Mais je suis allé trop vite. Et je suis allé trop vite. Je suis trop pressé. Allez, je vais y arriver. Je m'en fous, j'y arriverai. Je veux avoir au moins le jeton de cette carte, quoi. Parce que. What brings you to play the game? Ouais, c'est vrai. C'est le dernier essai. I know you will not tell me. Non, je veux pas. Like si jamais rest, j'y arrive pas, silent. Je change. Je prends une autre parce que c'est vrai que c'est lourd. Je suis d'accord. J'ai même pas 10 pièces d'or pour toi. La bataille du Horus. Allez, j'ai deux bandits à me faire et je vais avoir des trucs. Ah, il y a un piège. Bon, pour une fois, le coup de grâce il passe. Après, je change et je prendrai l'explorateur. J'ai vu qu'il y avait un truc, c'était l'explorateur. Ça avait l'air marrant parce que tu ne perds pas de nourriture quand tu fais le. Quand tu repasses sur une carte que tu as déjà passée. Bien ça. 25 points de vie. Ok. Oh. Ah bah oui, j'ai plus 23 points de vie de base. Héros de Bresbourg. Demandez ce qu'il ennuie. Ok. Je vais le rencontrer. La paysanne du coin. Alors. Tiens, je vais te donner 5 aliments. Parce que j'en ai. Et que j'ai besoin d'équipement. Putain, mais en fait, c'est un équipement pourri qu'elle va me donner. Parfait. Ah, ça commence mieux, déjà. Ok, ok. C'est parti. Non, j'ai pas envie. Je vais tous vous tuer. Vous êtes que deux. Je suis qu'au niveau 1 ou 2. J'ai pas peur de vous. Ah mais j'ai dit je me défendais. Fais pas chier là le jeu. J'enrage. Voilà. Ça c'est bien. Ça va vite, c'est efficace. Et je vais gagner des trucs. 5 aliments. Parfait. Et 15 pièces d'or. Et on continue. Ok, rien de spécial. Maudit. Ah, perfide du dealer. I worked long and hard to make. Ah mais ça c'est dégueulasse ça. Ingenious. Chaque fois que j'ai une grande réussite, je vois possible une carte perte, quoi. Le mec qui casse le. Je refuse de m'impliquer, pas avec ce que je prends là. Malédiction? Ah bah. I hope that is the curse that ends your quest. Une pièce d'or pour 15 points de vie. Putain, mais il est en train de me. Ah! Eh bah, tant mieux. Voilà, je vais monter et je vais essayer de faire la carte qui est au-dessus parce que là, je vais au. Je vais y arriver à avoir ce jeton là, au moins le premier jeton. Punaise. Mais
Maître de notre guilde est pire qu'un escroc. Il a engagé des hommes de main pour nous maintenir dans le droit chemin pendant qu'il vit correctement et croft un trésorier de la guilde. Nous ne voulons pas qu'en veillant au meurtre, interrompit un de moi, nous voulons juste qu'il quitte son poste au pouvoir. Voler l'anneau du maître de guilde, c'est le symbole de la position, et sans lui, il ne peut autoriser aucune action concernant sa guilde, notamment le retrait d'argent de la trésorerie. L'anneau, ok. Il porte l'anneau sur lui en permanence, et ces temps-ci, il quitte à peine sa maison et ce qui se trouve. Ok, donc il faudra que j'ai l'anneau du maître de guilde sur la carte numéro 2. Donc ce que je ne veux pas faire. Donc voilà. On va vite continuer. Work your way through the woods and see what lies. Et donc là c'est bon. J'ai au moins eu ce que je voulais. C'est le minimum. Donc après je passe à l'explorateur. Ah, mage ambulant. Ok, bon, moi je vais monter. Did you expect me to tell Lucia, une carte au hasard. Non. Eh ben, vous savez quoi? J'essaie de le voler. Base and despicable when they begin to believe their own lies. Of course. Tiens. Je l'ai volé. Different. My powers are genuine. Détonateur. Ok. Je pensais que j'allais lui voler. Un jeton gratuit. Un, le retour. Portail surprise. Ok. M'envoie où? Ah ouais, tu m'envoies dans le niveau suivant. Ok, super, j'ai même pas le temps d'aller à la boutique, quoi. Ah oui, mais en fait, c'est les jetons gratuits, c'est les jetons d'histoire, en fait. C'est les premiers jetons, c'est pour ça. Je garde les aliments. Canyon tortueux. Allez, je vais y descendre pour prendre l'arme. J'ai une chance sur 4. Yeah. Merci la facilité, quoi. Et je récupère l'arme sur le vieux cadavre. Une massue. Ben, je vais la prendre, la massue. Attaque de bandit. If only you were better organized, allez, 2 de sable, 3, 5 de sable. Ok. Ouais, c'est ça. Envoie-moi un truc à 2 cm. C'est tout à fait normal que tu m'envoies un couteau à cette distance. Mais toi, tu... En fait, les bandits peuvent faire les deux, c'est ça qui est souhaite. Qu'est-ce que j'ai comme... Mais j'ai beaucoup de jeux en plus, hein. J'en ai énormément. J'ai... Alors... Laisse-moi réfléchir. J'ai du Isaac, bien sûr, dans le style. Après, dans les genre, j'ai, disons, les gros jeux, The Witcher 1, The Witcher 2, j'ai pas The Witcher 3. J'ai les Batman, les 4 qui sont sortis. J'ai du Call of Duty un peu. J'ai les Half-Life. J'ai quoi encore? Undertale. Je regarde 2 secondes. Nessancy, Dark Souls, Tomb Raider, Stanley Parable, Garry's Mod, Starmade, Rust, Hearthstone, Counter-Strike. Voilà. Antichamber. Tiens, Antichamber, faut que je pourrais le faire une fois pour rigoler. Je regarde encore. J'ai du Star Wars, du Painkiller, Orc Must Die, Mirror's Edge, Left 4 Dead, Fez. Far Cry 3, The Evil Within, Elder Scrolls 5, Skyrim, Dead Core, Bioshock 2, Bioshock Infinite, Borderlands 2, Amnesia, Alien Isolation. Et voilà. Pardon, j'étais en train de... Donc j'ai... Voilà. Donc j'ai plein de jeux, mais après... Guérisseur ambulant. Je vais pouvoir lever les petites manies. Ah ouais, mais ça fait longtemps aussi que j'ai... Tu sais, j'ai 26 ans, hein. Steam, je l'ai depuis que je suis au lycée, c'est-à-dire depuis que j'ai...
Je l'ai eu quand j'étais en seconde Steam, depuis que j'ai 16 ans. Ça fait 10 ans que je me constitue une bibliothèque de jeux, c'est normal que... qu'elle devient imposante. Et j'ai pas cité tous les jeux Star Wars que j'ai. Ah, j'ai oublié Star Wars Knight, Jedi Knight 2, Star Wars, j'ai les un KOTOR, je crois. J'ai jamais joué, hein. C'était un pack Star Wars qu'il y avait, je me suis dit, allez, je le prends, avec les soldes de Steam. Bref, voilà. En plus, là, je fais des dégâts sacrés avec ma masse, c'est cool. Et évidemment, l'esquive me met dans le piège. Merci, le jeu. Allez, allez. Tu vois, je me suis pas pris le coup. Je pensais qu'il allait me défoncer, le... Ah, c'est clair, les Humble Bundle aussi. Ah oui, en effet, c'est un troll, surtout que c'est gratuit, le Steam est gratuit pour l'installation, donc je vois pas ce qu'ils t'ont offert. À moins que c'était l'ordinateur qu'ils t'ont offert, quoi. Parce que moi, je peux dire, cadeau d'anniversaire, je t'offre un compte Steam. C'est totalement gratuit, mais c'est pas grave. À moins que t'aies eu un... ils t'ont mis des sous avec dessus, c'est possible. No food. Hard times lie ahead. A choice. Select your desire. Meilleur cadeau. Salut Jawad, ça va? Ah ouais, d'accord, carrément. Tu sais quoi? Je vais te dire ce que tu fais. Tu te fais un compte mail et tu te refais un autre compte Steam. C'est gratuit. Voilà. Je sais, c'est... voilà. Faut pas exagérer, quoi. La sécurité parentale, ça, c'est... Je veux bien qu'il y a des jeux, mais bon... C'est bon, attends, tu l'as eu à 15 ans, c'est il y a 2 ans, t'as 17 ans, et ça va, quoi. C'est pas... D'accord, il y a des jeux Peggy 18, mais bon, faut pas exagérer, quoi. Sécurité parentale, quoi. Ah, jamais, moi non plus. Ah, voilà. J'ai combien de sous? J'ai tout ce qu'il faut, ok. Tiens, enlève-toi tout ça, merci. J'ai plus de sous, j'ai plus de bouffe. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Si t'avais 12 ans encore, bon, ok, mais là, c'est bon, t'as... 17 ans, quoi. Faut pas déconner. Même pas d'argent de poche pour... Ah, je sais pas. Tu piques la carte. Non, c'est dégueulasse. Je sais pas comment tu fais, mais... Tu fais un autre compte bancaire. Tu le dis pas et tu te fais un compte bancaire. Mais bon, ça va être un peu difficile après. Alors, frapper à la porte. Moi, j'ai frappé à la porte. Ah, et j'ai l'odeur du sacré sur moi, donc... Ah bah voilà. Do you understand what it is we do now? Or did I rush you through the rules, pushing you into the play before you were prepared? Ok. Il m'a juste fait amener de 2 cases plus loin. Allez, allez, va, allez mourir. Surtout quand je sais que moi... je jouais à GoldenEye, c'était 20, je sais, sur 64, des fois c'est vachement plus violent, quoi. Moi j'avais des parents, enfin j'avais un père qui me montrait Alien à 5 ans, quoi. Le film Alien, hein, je parle. Voilà, quoi. Je trouve que ça ne m'a pas non plus complètement détérioré.
Je suis quelqu'un d'assez raisonnable pour le coup. Ah oui, si t'as même pas de carte bancaire. Doom à 5 ans, voilà quoi. Putain, les gens qui pensent les jeux vidéo qui font. C'est pas les jeux vidéo qu'il faut interdire, c'est la télévision. C'est la télévision qu'il faut interdire. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, il y avait pas mal de jeux de groseille dans ce jeu. Bon, on n'était pas trop au jeu vidéo. Nous, en fait, jeu vidéo, j'ai commencé tard. Putain, par contre, je suis défoncé là, mais c'est pas grave. I'm sure you are grateful for that. Juste prendre les sous. Ouais, voilà. Parce que je l'ai fait, parce que je peux faire demi-tour. Voilà. J'ai plus de bouffe. J'avais pas vu, j'ai plus de bouffe. Je vais mourir. C'est pas grave. Je m'en fous de mourir. Là, j'ai eu la carte et j'en ai marre de cette classe. Elle est faible. Et je perds 10 points de vie. Allez, hop, gratuit. Think about the way we play this prochain pas si je gagne pas de bouffe. Continue to die, yet we reset the board each time. One has to wonder how it is possible to truly lose. 25 points de vie. Au moins. Il faut que je gagne de la bouffe sur un truc. Aigle géant. I see the great beasts remain free. Attends que l'oiseau. That pleases me. Vous voyez que le corps de la Dame des Sables, de Bandit des Courageurs, attendre qu'il se fatigue. Grande réussite. Concentré. Voilà. Pff, c'est bizarre en effet. Call of a 8 ans. Ils connaissent pas les jeux quoi. Là, je vais passer le niveau suivant. Je passe le niveau suivant. Allez, un aliment. J'ai zéro aliment, je m'en fous. Ah oui, merci. Je vais pouvoir acheter un peu. All the world is a game board, and us men and women merely players. I alone do not play. Et il me fait tomber dans une assise. Le jeu, il veut pas. Hein. Il veut vraiment pas que je réussisse avec cette. Avec cette classe. Hein. Amelia, vu tout ce qu'il m'envoie. Heureusement, je me déplace plus rapidement. Quoi. Putain, cette téléportation que je vous ai faite. De toute façon, à 18 ans, tu pourras t'ouvrir un compte et avoir une carte. Ils ont pas le droit de t'interdire ça. T'as la majorité. Enfin, je sais pas. Hier, à la majorité, tu contrôles. C'est toi qui contrôles ton compte. Donc, t'as plus qu'un an à tenir. Certes, ils te l'alimenteront pas ton compte, mais. Ils peuvent plus rien te dire sur ça. Ouais, voilà, dans un an, il va plus rien dire. Ouais, voilà. À 18 ans, tu seras libre. Death comes for us all, but not of course for me. Voilà, agent de l'ombre 2, mais tu sais quoi, agent de l'ombre, j'ai donné. Je le ferai une autre fois. Et je vais vous offrir l'explorateur. Ouais, c'est bizarre. L'explorateur. Alors, armure. Ne peut pas porter d'armure solide, donc je me fais défoncer. Mais se déplacer sur des cartes de rencontre terminées ne coûte aucun aliment. Ouais, j'imagine. Île perdue. Ok, donc c'est cette carte-là. Donc je peux pas avoir d'armure. Ok, fuir par la grotte. Your currency is spent. Cadeau de prophétie. À rencontrer des escaliers en rentrant. Ah ouais, elle est bien le casque d'explorateur. Ah oui, c'est bien. Et oui, voilà quoi, t'as des jeux qui sont vraiment pas chers sur Steam, après t'as pas besoin de tout craquer. Révèle, surtout que t'as les soldes Steam qui sont en été. Révèle la rencontre des escaliers. Ouais, c'est bien. Non, je voulais pas la. C'est pas grave, je peux le changer.
veux ce calot d'explorateur. Je suis un explorateur. Prête serviable. Non. Voilà. Totem des enfers. Partir. Parce que les anneaux, ils sont... Voilà. J'ai pas envie de gâcher un anneau. Je me tire. Allez. Ok. Caves and caverns. One cannot hope to find adventure without a little delving now. Bac de français et des mentions dans les bacs de français maintenant? Je savais même pas. On parle de te faire redoubler. Entaché, je peux rien vendre. C'est pas grave. Ok, merci, mais là je savais où c'était. Portail surprise. On va me faire apparaître ailleurs. Ok, il me fait passer un niveau. Je prends un aliment. Joyeux ambulant, mais avant d'y aller. Ok. Once, many came to play the game. Omra en chasse. Je pouvais pas tomber sur autre chose. The bored, the obsessed, the weak. Some come here merely to fill their mind with anything else but their problems. Mais PC de gamer avec 1000 euros de budget, tu vas pas avoir grand chose, hein. Je viens de me rendre compte, c'est une arnaque, hein. Parce que PC de gamer, 1000 euros, voilà. C'est pas gagné, quoi. C'est un petit PC de gamer. Enfin, t'en as des biens, mais voilà. T'attends pas à ce qu'il te dure 4 ans, quoi. Si tu prends un truc à 1000 euros. À moins de 1000 euros. Cette gamer, c'est 1500 euros, t'as quelque chose. Bon, je dis pour que ça dure, hein, monsieur. Après, t'as peut-être des occasions, mais... Ouais, faut se le faire, le PC. Tu fais un bon PC avec 1000 balles? Ouais. Mais moi, quand je dis vraiment bon, quoi, PC gamer, bon, moi je vois la bête, quoi, déjà, donc... Ouais, c'est vrai, 1000 euros, quand même, j'exagère. Ouais, faut pas lâcher tout fait, faut le fabriquer. Faut le fabriquer soi-même. Tu le fabriques, tu prends ton tournevis, une fonderie, un peu de silicium. J'ai pas de nourriture. Allez, je vais acheter de la bouffe. Mais il donne pas de bouffe, lui. Enfin... Tu peux faire monter. Dire, t'as des trucs qui te montent un... T'as des boîtes d'infos, des trucs d'infos, bah, ça coûte plus cher. Mais c'est pas très compliqué à monter un PC. Anneau de satiété. Ok, non. Non. Ouais, voilà, ça s'apprend. C'est pas très compliqué. Ouais, bah je vais les acheter parce que là je commence à être un peu à court. Voilà. Au moins, ça consomme pas de nourriture de passer sur les cases. Ouais, bah hop là. C'est bien ça. Au moins, je peux faire des allers-retours là sans. Mais tu t'y connais quand même un petit peu en informatique, quand même. De base. Après, il faut faire attention à... En fait, c'est les compatibilités. Ouais, c'est vrai. À moins que ce soit un PC portable, quoi. Moi, je n'achète plus jamais de... Ouais, voilà. 1000 euros. En fait, 1000 euros pour un PC tout fait, c'est de la merde. Voilà. Faut se dire ça. Les PC tout fait, c'est... As much as any game can truly end. Your final challenge awaits. Je vais avoir une pièce d'équipement comme ça. Hop, pierre d'âme, cool. Tu peux me donner quoi avec la pierre d'âme? Élever mon niveau du maximum. Atta. Cinq points de vie max. Une carte gain par bénédiction. Sympa. Dommage que j'avais pas grand chose. Culte du désert.
Je refuse de te donner mon sang. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ça fait, je suppose que c'est des comment ça s'appelle ? Un simulateur. Tu dis, je veux cette pièce. Tu mets ton truc et. Tu mets tes outils et tu n'as plus qu'à avoir le prix que ça coûte à la fin. Mais de toute façon, il y a des pièces que tu sais déjà le nom, quoi. Nvidia, GeForce, la dernière. J'ai pas de gants, hein. Non, j'ai pas de gants. Faire demi-tour, ça coûte rien. Politique de retour. Oh oui. C'est quoi ça? Ah oui, non, je peux pas. Je peux pas. Que ce soit celui-là. Hardly a unique item, this one. Every half-decent trader has one to aid them on long journeys. T'as besoin de... Et tu sais que pour monter un PC, t'as besoin d'un tournevis. Hein. T'as besoin de rien d'autre. C'est un tournevis, un petit tournevis et ça suffit. Cool, j'ai de l'or. Ou j'ai beaucoup d'or. J'ai tellement d'or. I'm sure you're grateful for that. Peut-être t'as pas besoin de scier des trucs ou quoi. C'est... Ça a juste besoin d'un tournevis. Ouais, ça s'emboîte tout seul. Faudra que je m'en monte un d'ailleurs. Parce que j'avoue que j'ai plus de PC. Enfin, j'en ai un gros PC, on va dire. Mais il est chez moi, enfin il est loin. Et j'avoue, j'aurais bien avoir une tour ici. Une grosse tour là. J'étais contre. Je vais m'acheter des trucs. Tiens, très bien ça. Interesting choice. Non. Non plus. There is no medicine stronger than time. Non plus. Parce qu'il va m'en donner plein des malédictions, c'est pas, faut pas le prendre. Ouais, c'est vachement, c'est pas compliqué. De toute façon, t'as besoin de quoi? Le calvaire ou soldat en permission? Je me tire. A voyage across the ocean, or merely a trip down the river. T'as besoin d'une carte mère, une carte graphique, une carte son, une carte vidéo, une carte adaptation. Enfin, même maintenant, elles sont, des fois, elles sont mises. Les cartes son, elles sont dans les. Ah, bah tu fais attention. On sait tous faire attention. Surtout quand t'as des pièces qui. This thing I have created, I can hardly bear the sight of it now. T'as regardé une vidéo de YouTube. Après, brancher une carte mère, j'avoue, c'est compliqué. Over and over. Pourquoi il est si méchant le machin? Pourquoi il. Will I ever know 3 cartes pertes, 5 points de vie max. Il m'a fait mal là, 5 pièces d'or. Oui. 3 pièces d'or, bon ça va. Oh dear. Je sors de la grotte. Et allez, il faut que je trouve une boutique, moi. Little pleases me more than watching your attempt to wriggle away from bad luck. Est-ce qu'il va monter this une boutique? Can only non. End one way, juste prendre les sous. Ok, créature démoniaque. 4 d'enfer, 8. Ok, normal quoi. Oui, tu risques pas grand chose. Hein. Franchement, c'est difficile de. On dit que c'est fragile et tout. Oui, c'est fragile. C'est clair que tu peux pas le balancer d'un blob ou quoi. Mais bon. La pâte thermique sur le processeur. Mais tu la touches même pas ce truc-là. Enfin.
Et tu la touches même pas, la pâte thermique. Hein. Tu l'approches pas et tu poses le processeur dessus et c'est bon. T'as besoin de toucher la pâte thermique du processeur, toi, pour monter ton PC? Ah, il fallait plus la mettre, d'accord. Ça fait très longtemps que j'ai pas monté un vrai PC. Je me souviens plus. Moi, c'était dans des temps où les PC, c'était Windows 98, hein, le dernier PC que j'ai monté. À la fois, c'est très foutu si t'as touché la pâte thermique du processeur. Oui, le ventilo. Oui, le ventilo, je le vois. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'ai pris un ordi tout fait, j'aurais pas dû. J'ai eu la flemme de prendre de faire un montage. J'aurais dû faire un montage. De toute façon, le prochain ordi que je prendrai, ça sera un montage que je me ferai moi-même. Je me commanderai les pièces et je me ferai un truc bien. Ouais, voilà. Et bah il te l'a dit, le Capitaine Moustache. Vas-y, si tu l'as, le site, moi je le connais pas. Mais il avait juste dit que ça existait, il avait pas donné de site encore. Et oui, il y a plein de gens qui s'y connaissent en informatique, même autour de toi. Je suis sûr que tu peux demander à quelqu'un qui s'y connaît un peu. Oh. Bien ça. Ok, je me suis fait soigner. Héros de Bresbourg. Demandez ce qui l'ennuie. Allez, héros de Bresbourg. Parfait. Ah, c'est bien quand même. Je consomme pas d'aliments. Je veux faire l'aller-retour. Ouais, non, demande pas sur un forum. Hein. Demande à des gens autour de toi. Enfin, ou recherche toi-même parce que les forums. Sable, je l'ai défoncé. Surtout avec cette arme là que j'ai. Bon, c'est pas des rats, mais des rats je rencontrerai, c'est très pratique. Donc soit ça fait double de dégâts contre les rats. Et ça étourdit les ennemis. C'est parfait, c'est l'arme parfaite. C'est une très bonne arme. Ouais, voilà. La position du bandit. Avec les pieds en l'air, quoi. Vas-y, prends-moi. Allez, trois aliments. Sail away. Embarquer sur le navire. Il m'a rajouté du boss, là. Une malédiction. Ah, salopard, avec tes cartes là. Un guérisseur ambulant. Tiens, tu vas voir ta malédiction, je vais en faire. It has finally come to this. Société secrète. I am tired. It has been too long. Yet life. Je continue à marcher. Et je vais aller me lever les petites malédictions. Yet I will not go easily. Je vais me lever cette malédiction là parce que c'est chiant. Voilà. Tiens, déjà j'enlève ça.
J'enlève ça. Voilà. Il faut que j'achète de la bouffe. J'ai plein de... I'm sure you're grateful for that. Allez, 40 de bouffe. Hop, je vais voir comme ça directement. Ah, il y a le minerai de métal. Bah voilà, tu demandes au capitaine Moustache et à moi. Roaming ever forward, hunting je vais faire demi-tour. For the truth. Hop, je vais juste prendre le minerai de métal et repartir. Parce qu'elle donne une arme craquée. Mais arrête de descendre automatiquement. An expedition. Press on. De rien. Anneau infecté. The black deck. Ah, salaud. 5 points de dégâts par anneau. Ça fait mal, hein. 25 points de dégâts. Le Minotaure blanc. La réponse est non. Parti. Inconnu dans l'ombre. La réponse est non. Our game is fair. And you will be defeated fairly. Ah, Rose Ruaille, oui, tu as une question? Je vais errer sans but, mais j'aurais peut-être pas dû. Je crois que c'est pas celle-là. Deux cartes monstres. Oh, 50% des aliments. Je t'écoute, hein, Zoruaï. Vas-y. Ah, je t'écoute. Je suis attentif. Disons. Il m'envoie des malédictions quand même, les mecs. Il me fait perdre 25 points de vie à chaque tour. Il faut vraiment pas que je gagne. Il y a des parties, je tombe pas sur une truc comme ça. On va se calmer tous. Voilà, merci. La résolution de l'écran, elle se trouve dans les propriétés. C'est possible. Mais il a quel âge? Parce que même... Mais mourez quoi, mourez tous. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes trop puissants là. Hop. Bah, si tu regardes dans... peut-être dans les propriétés de... Tu sais, quand tu veux changer la résolution de ton écran... Ah, j'ai perdu plein de points de vie, là, par contre. Il meurt. Putain, le machin. Est-ce que... Alors, t'as mis deux modes Minecraft en 1.7.10. Tu as mes forges. Est-ce que tu as... Donc, tu l'as fait avec forge, je suppose. Non, je vais pas mourir. Parce que je peux pas jouer avec des mods. I'm sure you'll leave this one in time. You do not seem to have the temperament for friends. Déjà, c'est quel mode? Quel mode as-tu ajouté? More than anything. I am proud of my array of curses. Fuite en forêt.
I was left 25 points de vie dans la tête, quoi. From them, I have built a palace of memories. 1600 par 900. A convoluted maze that few will ever reach the end of. Will you be one? Oui, avec Forge. Donc t'as téléchargé tes deux modes qui sont dans les versions 1.7.10. Hier, t'as pris les modes 1.7.10. Tu as pris les modes et tu les as mis donc dans le dossier mode. Et quand tu lances ton jeu, tu le lances donc en 1.7.10. Tu le lances pas dans la dernière version. Salut Arma, ça va? Et d'ailleurs, c'est quel mode que tu as pris? Les deux modes. Ça va, tranquille. Petite soirée en Dove Fate. Où je me fais défoncer. Tu lances avec la 1.7.10 et ça te dit fail. Ça va. Tranquille. Oh, le Kraken. J'ai pas le choix. Tranquille. Et ça te dit quoi exactement quand tu lances... En fait, c'est quoi les modes que tu as installés? Salut. Là. Oui, le nom des... S'il vous plaît, si tu me donnes pas le nom des modes, peut-être qu'il y a un truc... Oula, il y a un lag là. Je peux même pas jouer. Putain, j'ai plus que 17 points de vie, chou. Avec le valet de scam là qui sort. Bah, je crois que j'ai passé une phase de Kraken hein, là où il... Bah, je suis mort comme une caca. C'est pas grave. Surtout que je suis mort pour rien là. Ils me mettent des malédictions dans les dents depuis tout à l'heure. Je perds 25 points de vie à chaque fois que je passe un niveau là. Ah, mais c'est n'importe quoi. Ok. Mais c'est quel mode? Le nom des modes que tu as mis. Il faudrait que tu donnes le nom des modes. Parce que si ça se trouve, les modes que tu as rajoutés, je sais. Les modes que tu as rajoutés, des fois, nécessitent d'autres modes. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. Genre par exemple moi, pour Thermal Expansion, Big Reactor, il fallait que j'installe un autre mode. En fait. C'est possible que en fait t'as besoin d'un autre mode pour installer les modes. Donc le don des... J'ai essayé l'explorateur, je vais essayer autre chose. Alors, changement de règle. C'est possible, des problèmes de compatibilité. Mais c'est pour deux modes. Enfin, si elle a juste installé deux modes et que le jeu est vanilla de base. Ok. Toujours un combat. Ouais, mais ça, c'est déjà. Non, je voulais. Non. Je vais regarder un petit peu les autres. Les cartes de gain d'or n'ont aucun effet. Ok. Il y en a bien un qui m'intéressait, c'est fin de fer.
You're all merely pieces upon the board. The circle repeats without end. Does the rook understand the oblivion that engulfs it when it is placed back in the box? Does the king understand that he truly rules over nothing? Loot box mode et extra golem. Ok. Mais tu avais d'autres modes avant ou t'avais rien du tout? Je voulais pas aller par là. Ah, en fait, je mange des minerais de fer. Ok. Il faut que tu aies une copie de Windows. Et que tu l'aies acheté légalement. Pas d'autres modes. Enfin, juste pour Luke, Box et... Ok. Je me concentre. C'était le grand échec. Bon. Oui, t'étais sans... Deux cartes pertes, évidemment. 5 points de vie max. 5 points de vie. Bon, c'est pas grave. I'm sorry. Ok, bon, je me tire. Alors attends, je réfléchis aux ruailles. Hein. Je réfléchis. Et ces modes, ils ont pas besoin. Il y a pas. Quand tu les as téléchargés, ils te disaient pas nécessite quelque chose d'autre pour fonctionner. Ou genre n'est pas compatible avec. Enfin, les renseignements dans les modes. Every card drawn from your thoughts and your memories. Monsieur Lionel. Every card tainted by your view of the world and your single-minded purpose. The same singularity of purpose that brings you here. Okay, note de paix. Non, sûrement pas l'armure interdite. The holier you are, the more powerful you become. If that's not a message for the ages, I don't know what is. Trois aliments. Eh, je perds. En fait, je peux pas. Je mange pas de nourriture. Je mange du minerai de fer. Ok, elle est pourrie cette classe. Ouais, vas-y, tiens, regarde. Ah, bah alors c'est que les deux modes sont peut-être pas compatibles entre eux, alors. Ou alors c'est que... Est-ce que les deux fonctionnent séparément? C'est-à-dire t'en mets un, ça fonctionne. Tu enlèves un et tu remets l'autre, ça fonctionne. Ou s'il y en a... Si quand c'est les deux en même temps, c'est-à-dire que les deux en même temps ne sont pas compatibles. Si un seul marche, et s'il marche seul mais pas avec les autres. Oui pour... ok. Alors c'est que les deux modes sont pas compatibles. Je suis en train de perdre toute ma vie. Cette classe est complètement pourrave. Ouais, c'est que ils sont pas compatibles entre eux. Ça arrive, hein. T'as pas de chance, hein. Tu prends deux modes et... Ah, that is one of my favorites. Joyeux ambulant.
I am not the first. Attends, faut que je regarde un truc là parce que. Nor are you the first to play. Fin de faire. I do not expect we will be the last. Arrête avec ton. Le dialogue qui m'emmerde. Ok, je reçois une nouvelle pièce d'équipement. Il faut que je reçoive des nouvelles pièces d'équipement. Allez, je lui donne 10 pièces d'or. I made that a little too powerful. I will have to rebalance that next time. Bon, il me faut des pièces d'équipement. J'ai gardé mes aliments. Donc je vais mourir. Hein. Je vais mourir. Oui, voilà. Ouais, mais l'Unix en fait c'était pas du tout aidé, hein, donc normal, si c'est limite l'informaticien qu'il faut être pour connaître l'Unix, faut le vouloir. Ah, t'inquiète pas, une opération à la jambe, il doit en faire souvent, t'inquiète pas. Courage, tu vas te réveiller et tu auras rien vu, donc tu vas t'endormir et te réveiller, ta sonde sera toute neuve. Avec une petite broche dedans à la limite. Bonne nuit donc, et à la prochaine. Et c'est con, t'as pas de chance, hein. Tu prends deux modes et... Don't worry. Putain, mais une opération, c'est une grosse, grosse facture, hein, qu'ils t'ont fait, putain. Parce que pour qu'on t'opère... Ah, 50 points de vie. Pour une fois, elle sert bien, cette carte. Faut que j'ai des pièces d'équipement. I would feed you if I could. I cannot break the rules in your favor any more than in my own. Allez, bonne nuit. C'est bien ça. Ah non, je. I worked long and hard to make. Ah oui, mais dès que j'achète un truc. Ingenious. Don't you think? Le jeu, il m'emmerde là. J'avoue, il commence à me gaver. Il commence à me gaver en fait. Il est en train de m'envoyer des trucs dans les dents complètement gratuits. Là, cette classe, elle est complètement craquée, quoi. Tu peux pas gagner. Work your way through the woods and see what lies beyond. Est-ce que j'ai pas un truc? Je peux pas me débarrasser des choses et. We can hope that, as each card is unveiled, as each new concept is explored, non, that we learn something about ourselves, or something about you. Non, mais j'ai pas eu de... Échec, évidemment. Choose from these options. Grand échec. Allez, 10 points de vie. 5 points de vie. Nasty. 10 points de vie max. J'en ai marre. Je vais essayer de l'ouvrir. Et ça tombe sur l'échec. Le jeu me gave. Il commence vraiment à me gaver là, avec tout ce qu'il me met là, j'avoue. Il commence légèrement à me prendre la tête, parce que là, il veut pas que je gagne du tout. Ouais, bah c'est la fin, bah, je vais me tirer de ce niveau. J'ai plus que 8 points de vie, c'est merveilleux, je meurs au prochain pas. Parce que j'ai pas compris comment fonctionne le... La fin de fer. That is the curse that ends your quest. Allez, vas-y. Tue-moi. Pitiful. Bonne nuit.
Allez, mort de faim. Another death at famine's door. Oh la punaise. Le jeu m'a pris la tête. Le jeu m'énerve. Quand le jeu m'énerve, faut que j'arrête. Donc voilà. Je vais arrêter là. Avec ce jeu. Ah. Bon, ça va. On aura fait une petite soirée. On va être raisonnable pour une fois. Il est 23h30, 2h30, ça va. J'ai fait un truc. Ah bah, à part la RAM. Ok. Mais il faudra que je me fasse une config et que j'achète tout et que je le fasse moi-même aussi. Mais ça va être un peu... Enfin, je vais me faire un monstre. Le prochain, ce sera un monstre. En fait, je me dis que dès que je trouve un boulot, ce sera le premier truc que je me fais. Si je me trouve un boulot, un bon, là, un truc payé, quoi, n'importe quoi. Vu que j'ai ma mère quand même qui m'aide, j'avoue, je pourrais me payer un bon truc, quoi. Parce que mon PC est très bien, mais c'est un PC portable. Et je veux une tour. J'avoue que la tour, ça, c'est pas pareil. Et celui-là, je m'en servirai pour le travail plutôt. Enfin. Ok. Hop là, boum. Donc le jeu m'a pris la tête. Voilà. Bon, c'était une soirée calme cette fois. Il n'y avait pas les song requests aussi. Song requests, je les garde pour Minecraft seulement. Les autres jeux ont des musiques. La fatigue. Et donc, demain, il est possible que je ne live pas. Donc je sais pas pour toi, Capitaine Moustache. Capitaine, si t'as envie de live demain. Moi en tout cas, là, vu que je vais travailler. Je vais être occupé demain. On doit regarder des choses. Il est possible donc que je ne live pas. Si je live, ce sera, je sais pas. Peut-être changer. Tu vas voir. Ok. Je sais pas si je fais Minecraft. Je pourrais changer de jeu un peu, hein. Un petit anti-chamber là. Un peu de puzzle. Mais je le connais par cœur le jeu, donc ce serait juste pour vous montrer le jeu. The Stanley Parable. Ah, c'est... Oui, c'est vrai que tu as du... y a ça à faire. Hein. Stanley Parable. Je réfléchis, je pourrais changer. Binding of Isaac. Je pourrais faire du Binding of Isaac. Hein. Aussi. Il y a longtemps que j'ai pas joué, je vais me faire défoncer. Ou du Rogue Legacy. C'est vrai que c'est pas mal. J'ai beaucoup de roguelike, moi, en ce moment. Ah là là. Oh. Allez. Je vais dire bonne nuit à ceux qui sont restés. Donc, bonne nuit, je pense, à Drakel. Et bonne nuit à toi, capitaine. Je crois qu'il ne reste que vous deux. Et donc... à la prochaine. Et bonne nuit. Ça a été court ce soir, mais voilà. Hier, on a fait beaucoup. Et là, le jeu m'a gavé. Ouais. Petite Lavender Tail passif. On verra. Allez, bye bye. Et à la prochaine.